Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur Cyberpunk 2077. Donc avant tout, vous voyez dans ma barre en haut, il n'y a plus le nombre d'abonnés et il n'y a plus le nom du jeu que j'ai mis et tout. Donc à savoir que au moment que je tourne la vidéo, j'ai changé d'opérateur internet, je suis passé chez Bouygues Télécom. Et le problème c'est que le temps de la transition, j'ai quand même voulu faire une vidéo. J'arrive à mettre la vidéo, mais comme j'ai pas de connexion internet sur mon ordinateur, ben je ne peux pas modifier le nombre d'abonnés, tout marche avec internet maintenant. Et sans internet, les logiciels, on n'arrive pas à modifier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment enlevé directement ce qui est noté, le nombre d'abonnés, le jeu que je joue et la plateforme. Donc à savoir que j'ai à peu près, si vous voulez savoir, 9000 et des brouettes d'abonnés. Le jeu, c'est Cyberpunk 2077 et je joue sur PlayStation 5 parce qu'il est sorti sur PlayStation 4, mais j'arrive quand même à jouer sur PlayStation 5. Donc là, on va faire le début, donc... directement et on va voir. Donc là on appuie pour continuer sur option. Ok, donc là bon, j'accepte les conditions. Ah ok, d'accord, donc on fait croix. Voilà, donc nouvelle partie, charger une sauvegarde, paramètres ou crédit. Donc on va faire nouvelle partie et donc là on va choisir les histoires. Donc avant tout, ok, on a le mode histoire, donc le bon choix pour les joueurs qui souhaitent jouer tranquillement en profitant de l'histoire. Les combats ne seront pas difficiles. Le mode facile, les ennemis disposent d'un outil et tout. Le mode normal ou le mode difficile. Donc, à savoir que moi, j'ai des amis qui ont commencé à jouer hier. Je vais baisser un peu le son parce que pour moi, c'est trop fort. Voilà. J'ai des personnes qui ont joué hier, des amis à moi, et l'ont mis directement en normal, et ils disent que c'est quand même très galère en réalité. Le problème, c'est que le jeu, vous le connaissez pas. Donc moi, je vous conseille de le mettre en mode histoire, en mode tranquille, et dès que vous êtes à l'aise, vous passez au supérieur. Plus facile, ou vous mettez du normal. Donc moi, j'ai vraiment sélectionné, je vais vraiment vous montrer le mode histoire. Donc je vais vous présenter le mode histoire. Donc là, vous avez le nomade. Alors c'est quoi? Alors nomade, parcours, déplacement, attaque, les dépôts de carburant, la vie sur la route, n'allez rien de facile, mais à grandir. Ok. Pour comprendre la rue, on va y avoir vécu. Vous avez grandi au milieu des gangs. Ok, d'accord. Et ici c'est quoi? Le monde de formation de vie, au moins encore concernant. Bon, on va faire le premier, on va mettre nomade. S'il faut, je ferai les trois. Pour l'instant, je vais faire le nomade. Allez, hop. Donc, est-ce qu'on voudrait un homme ou une femme? On va prendre un homme. Donc après, vous pouvez vraiment tout modifier, apparemment. Hier, j'ai des amis qui m'ont dit, on peut tout modifier, jusque les parties intimes, on va dire. Donc là, je vais éviter de remontrer ça sur YouTube, parce que déjà, ils vont me casser la tête avec les droits d'auteur de musique. Alors ici, maintenant, vous mettez des soi-disant droits de nudité, je sais pas trop quoi. Donc je vais éviter. Donc on va laisser masculin. Teint de peau, bon, on va essayer de faire un, je vais pas dire un bonhomme qui ressemble à moi, mais alors est-ce qu'on peut avoir, c'est quoi au mieux? On va avoir une grille à mon avis, donc on peut avoir des plus clairs, voilà. Allez, on va dire un peu ça, voilà. Après, type de peau, donc là c'est pour voir, ah oui, donc on peut mettre, voilà, les cheveux. Ok. Moi j'aime bien celle-là, moi. Allez, on va dire que j'aime bien ça. Couleur de cheveux, alors on peut faire vert, noir, rouge, vous voyez. Allez, on va laisser un peu dans ce couleur-là, voilà. Donc les yeux, on peut changer directement, vous voyez, au niveau des yeux. Donc on va pas faire quelque chose de très important. Au niveau des pupilles, pareil, on peut mettre bleu. Donc après, on peut choisir les couleurs. Alors on va dire qu'on va mettre tout en rouge, voilà, stylé. Voilà. Après, vous voyez qu'au niveau des yeux, vous pouvez même mettre des styles de toile d'araignée et tout. Vous voyez, hop. On peut mettre ça. On peut mettre ça. On peut mettre aussi, non, directement rouge. Bon, je vais mettre rouge, moi, ça. Ouais, Alors, les sourcils, pareil, vous pouvez changer. Un peu plus intense, vous voyez. Ou sans sourcils. On va mettre ceux-là. Voilà. Couleur des sourcils, bon, on va laisser noir. Le nez. On peut modifier, donc on va pas mettre 3 heures sur ça parce que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps, j'ai envie de jouer. Donc la mâchoire, on s'en fout, les oreilles, bon, on va laisser comme ça. La pilosité, bon, on peut laisser comme ça, on va laisser plus comme ça. Avec une barbe un petit peu, donc style de barbe, couleur de la barbe, ok, donc on va rien, contour du visage, piercing, piercing, définition, maquillage. Donc vous pouvez aussi mettre des maquillages au niveau des yeux, vous voyez, donc ça dépend, mais vous pouvez modifier le maquillage. Vous pouvez mettre du rouge à lèvres, donc pas de rouge à lèvres, on va éviter ça.
Ok, d'accord. Couleur, bouton, couleur, bouton, ongle, couleur des ongles. Donc, vous voyez que là, on va passer sur les parties au bas. Donc, vous pouvez modifier les cicatrices sur le corps, les tétons, tout ce qui s'ensuit. Donc, vous pouvez vraiment tout, tout modifier. Alors, vous voyez, ah, ils ont modifié apparemment. Taille du pénis indisponible et style de poil pubien indisponible. Alors, hier, j'ai des potes qui savaient le modifier. Alors, je sais pas si pourquoi on peut pas le faire. Après, moi, bon, personnellement, je m'en fous complètement. On appuie sur carré. Donc là, c'est quoi? Donc on a 7 points disponibles au niveau des compétences. Donc vous allez pouvoir rajouter des compétences. Donc ici, vous avez quoi? Construction affecte directement votre santé, votre endurance, les paramètres définis. Ok, d'accord. Ici, c'est quoi? Intelligence, réflexe, capacité technique, nouveau cool, l'attitude. Bon, on va dire qu'on a... On va mettre déjà un point là, un point là, un point là. Un point là, un point là. On va mettre, allez, un plus en cool attitude et on va mettre un plus en, on va dire, santé. Voilà. Donc là, on a rajouté tous les points. À mon avis, on va peut-être pouvoir gagner à fur et à mesure des points de compétence. Hein. Donc ici, on est bon. Donc là, on est en nomade. Le pseudo, c'est V. Ok. On confirme. C'est parti. Donc à savoir que je ferai des sessions de maximum 1 heure, on va dire, maximum, et je vous ferai plusieurs sessions de jeu. Donc alors j'espère pouvoir vous mettre une vidéo le plus rapidement possible, mais je vous dis avec l'internet que j'ai, enfin la transition entre SFR et Bouygues. Ok, donc là c'est mon personnage. Donc enlever les cuissons. Donc si je fais carré, je peux enlever les cuissons. Ok, d'accord. Donc là, je peux remettre un peu de son. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Ok, donc là, c'est la première fois qu'un Knight suivait attentivement les dictalettes pour vous familiariser avec la mécanique de base du jeu. Si vous êtes déjà en expérimenté, n'hésitez pas à désactiver les conseils. Ok, d'accord. Vous pouviez vous rendre dans la base de données à tout moment pour partir, pour accéder directement. C'est directement aux dictalettes. Ok, d'accord. Donc, ok, c'est bon. On va aller voir le gars. Donc là, on je peut me se suis trompé. déplacer droite, Vous gauche. pourrez Vous toujours voyez? essayer un autre garage qui En demandera un réalité, dommage droite, d'assurance à la gauche. frontière. Ok. Donc là, examinez le moteur, poussez-le. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Alors, je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Et ça donne quoi? Ça donne que vous m'aidez pas. Alors, connectez le fil. Ok, d'accord. Ah ouais, en vérité, vous voyez qu'on peut monter et descendre. Donc allez, on fait connecter le fil. Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va scripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, alors montez dans la voiture. On va monter, carré. Donc là, on est la vue à la première Ok, personne, comme Call of on Duty. va voir ce que ça donne. Démarrage. Je vous l'avais bien dit. Encore une fois. Ah non, non, non. Encore une fois. C'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Se connecter à la station de radio. Non, c'est pas si dur. Je vais chercher. Ok, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Ok. Est-ce que vous savez? Non. Vous voyez, c'était pas C'est si pas si dur. dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ok. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Ah, ok, bon, on va faire Est-ce que radio. vous En savez? vérité, si c'est en jaune, c'est du principal. Ok, d'accord. Si vous avez des questions jaunes, c'est du Votre principal. antenne Ça a veut pas dire l'air les en très bon missions. Et si vous état. avez des Je vous questions ai pas donné bleues, de grands c'est chemins. des secondaires. Sans déconner. Oh là. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas, Mike. On va mettre les choses au clair. Ok. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène. Peut-être même autour d'une tasse de café.
Je fais que passer. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. M'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Ok. Les shoguns d'argent des forces spéciales. Pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voilà. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Ah, je pars, je m'en vais. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y'a pas de clan. Je suis seul. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Ok. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben. J'espère que vous resterez pas longtemps. Je dois utiliser notre radio. Voyez la question à l'enjeune. Voilà. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Fermez la porte, je veux pas de problème. Vous pouvez marquer quoi? Ouais. Je vous ai déjà dit, je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher et barrez-vous, Fissa. Ouais, carrément. Allez, on y va. Donc on va aller à la tour radio déjà. Oh là, oh là, oh là, doucement, 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 t'énerve pas. Alors, on doit maintenir rond pour sortir du véhicule, ok. Donc ici, on appuie sur ouvrir. C'est fermé. Défoncé. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut courir? Alors, ça, c'est s'abaisser. Sprinter, c'est... Ah, par contre, sprinter, c'est pas top, hein. C'est sur le joystick. Directement. On va monter, on peut monter comme ça. Ok. Franchement, par contre, niveau graphique, il est excellent. Hein. Sauf qu'il est vraiment top, top. Alors, ouvrir le contrôleur. Par contre, là, j'ai vu qu'il y a une boîte là-bas. Est-ce que je peux la récupérer? Allô? À toi! À toi! Je te reçois, ça y est. Willy McCoy, c'est bon de t'entendre. Hey, j'aimerais pouvoir en dire autant. Ah, il marquait, j'ai besoin de ton aide. T'es pas content? Vas-y. T'es pas content? T'as abandonné le clan. Du coup, je peux plus t'aider. Je savais pas que t'étais si prudent. Je suis loyal, c'est tout. Y a des règles. Et le système peut pas fonctionner sans elle. Ici, on donne du boulot aux nomades parce que c'est leur territoire. Ok. T'aurais aucun problème si t'étais encore un backer. T'aurais dû rester avec eux et rejoindre les Snake Nation comme les autres. Je les emmerde, les Snake Nation. Bon, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit, au bon moment? Hein? Bien sûr que oui. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ok. Ouais. Ouais. Il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ok. Ah, merci, Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Ok, on est bon. Mais par contre, j'ai vu qu'il y a une style de caisse, là. Est-ce que je peux la récupérer ou pas? Dans ma voiture, ça, je sais. Mais... Je
pourrait faire quelque chose. Est-ce que je saurais sauter? Ouf! Ok, oh là là, j'ai pris beaucoup de... Ok, bon, j'ai voulu essayer de sauter, ça n'a pas marché. On va essayer de passer là sans tomber. Hop, ok, d'accord. Bon, on va là à la voiture. Par contre, là, au niveau du... Comment je peux dire, au niveau des manettes, c'est pas top. J'aurais pas, je vais peut-être voir après si on peut modifier au niveau des paramètres. Alors je fais toujours un petit tour pour regarder quand même. Mais au niveau des paramètres, c'est vraiment pas le top au niveau de la manette. Hein. Alors monter. Alors est-ce qu'on peut, on est obligé de rester dans la voiture ou est-ce qu'on peut sortir? Attendez, je vais faire un test. Ah voilà. Donc si vous faites au niveau de la flèche de droite, vous pouvez être extérieur de la voiture. Et si vous faites hop hop, vous pouvez aller à l'intérieur de la voiture. Par contre, c'est un peu short à contrôler. Hein. En vérité, vous devez tourner que un joystick quand vous roulez en voiture. Ok, 100 km/h. Donc ça veut dire que c'est pas mal, parce qu'il y a quand même 3 histoires. Wow, le poteau... C'est moi qui arrive tout en douceur, vous voyez. Ben voilà. Quand je vous dis que j'arrive toujours tout en douceur... Ok, donc sortir de la voiture, c'est rond, voilà. Donc il doit être à l'intérieur. Ah, c'est ça. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. Exact. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaire. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, à toi l'honneur, t'es un homme, principe, c'est ça, ok. Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un crasheur. Et toi ? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Ok. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Ouais, c'est carrément lui qui le met. Ok, d'accord. Ah, mais dans... ah ouais, la voiture, elle a changé de place. J'ai commencé à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce comte shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Est-ce qu'on peut... Ah, ouvrir le coffre, ok. Ça pèse une tonne. Ah, ok, monte avec moi direct. Je sais pas rouler. Décolle. Là, on est sur une mission principale. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Je pense que je vais plus rouler comme ça. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand. On est tous les deux des pros, ok? Frein à main, c'est croix, ok, d'accord. Klaxon, sortir, c'est rond. T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Quoi? T'es nerveux? Moi? Pour favor. Oh là là. Ok. Système actif. Peut-être un peu. Hey, on approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Ils vont nous scanner et contrôler nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Ah, ok, on a ralenti, on a ralenti. Oh! Pardon. Dirigez votre véhicule.
véhicule vers la zone d'inspection. Oui, monsieur. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. Ok, monsieur. J'ai un très mauvais pressentiment. Passe-moi le manifeste. Ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Wow. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? T'as du fric pour lui? Ok. Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Ok, donc on va devoir donner un petit pourboire au gars. Ok, d'accord. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça part en couille. Ok. Après, il faut aller ici. Ok, il faut aller là. Si vous avez une arme, déposez-la ici. J'avais une arme. Présentez-vous en salle numéro 2. Numéro 2. Asseyez-vous. Ok. Vos papiers? Tu prends les papiers, c'est le contrôle de routine. On va prendre le premier, allez. Contrôle de routine? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Je pense pas vraiment que ça vous regarde. Ah, vous croyez vraiment? Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, oh, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. Ok, donc c'est bon, c'est payé. N'oubliez pas de reprendre vos... Ah ouais, c'est vrai, faut que je reprends mon pistolet, là. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Allez, ma voiture, elle est là. Comment ça s'est passé? Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. On avance. Là, c'est plus moi qui roule cette nuit, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé. Sur champignon. Un connard de douanier a fait du zèle. Mais c'est pas leur boulot. Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Ok. Donc là, j'attends de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là. Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Ok, donc moi je fais quoi là? Merde. Je peux tirer ou pas? Ah ok, d'accord. Dégainez votre arme avec triangle, ok. Alors pour regainer, il faut appuyer deux fois sur triangle, ok, et tirer sur R2. Ok, d'accord. C'est parti. Ouais, la balle tête, était bien là, non? Déglingue le gars de la voiture, voilà. Encore un. Du coup, on va pas se casser la tête, on va tirer directement sur la voiture. Jinga, jinga.
Je suis pied au plancher. On va les semer. Chingala su madre. Bizarre le bug. Et c'est carré pour recharger. Faut pas qu'on s'arrête. Oh, je m'arrête pas. Voilà. Donc là, on a... normalement, il devrait plus avoir de voiture. Mais, attention. Ah, je peux plus sortir, ok. Je suis trop vieux pour ces conneries, ok, d'accord. T'arrêtes pas, on peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Ok. Fais chier. Il a déglingué ma voiture. T'es sérieux ou quoi? Ma voiture! Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingalo! C'était censé être un job tranquille, sans accro! Eh, si tu penses que c'est ma faute, t'es qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. Penderamentere de colo. On fait quoi maintenant? Ok. On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite, quoi, la suite? Okay. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Ouvrir, ok. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames! Un vrai iguane! Des petites antilles, je crois. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, je sais pas, j'ai pas de plan pour l'instant. Ouais, j'ai pas de plan pour l'instant. Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Bon. Merci, c'est vraiment ça. On va lui dire merci. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey Non, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Ok. Il est en train de dormir, il y a deux secondes, le lézard. Allez. Allez, en chargement. La barre de chargement a l'impression qu'elle est tout de biais. Oh, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves!
J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Ouf. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boaba. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on l'a bruit parler de vous. Wouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Heureusement, peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des... Ok, c'est pas moi qui a coupé, ça a coupé direct. Le fou, trophée obtenu. Ok. Donc on va attendre, petit écran noir. Comment ça se passe? La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau, ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ok, pourquoi pas. Je sais pas si c'est vrai, mais ce sera un super scénar de blockbuster. Ok, donc on va tester ça. Ok, ah, c'est un test en réalité. Donc ça va sûrement m'expliquer comment... Ok. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ok. Donc je dois avancer. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres partout. Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez! J'espère que t'es prêt à te bouger les fesses sur ce parcours fasciste. Ok, donc on va essayer ça. Tic, histoire de s'échauffer. Donc là, il faut monter. C'est ça? Ah non, c'est quoi qu'il fallait monter maintenant. Ouf! Je l'avais touché, non? Le premier? C'est une blague ou pas? Par contre, j'ai l'impression que ma main elle passe sur le côté ou c'est moi? Deuxième vague, c'est ça? Merde. Oh! Ok, faut que je prenne l'habitude parce que la sensibilité elle est énorme. Hein. Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. Ah, pour se mettre à couvert, il faut appuyer sur rond. Ok. Tête. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Donc carré, ok. Ah, flèche du haut. Ok, donc là ça me remet la vie. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. T'as vu? Il est venu avec des chums cette fois-ci. C'est quoi faire, mais... Bon. Beau boulot, mais va sur la plateforme pour passer à la suite. Ok, bon. Pour l'instant, ça va, on va dire. Faut juste prendre l'habitude, hein. Parce que moi, j'ai la sensibilité de Call of, donc... du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Donc ça, c'est pour pirater. Donc là, c'était entraînement tir. Maintenant, on est sur du piratage.
Par contre, à chaque fois, le joystick qui se met en l'air, c'est un peu bizarre. Donc, pour activer, scanner, appuyer sur L1. Ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Alors, les appareils neutres sont en surveillance vert. Ok, d'accord, là. Alors, attends, scanner deux objets en surbrillance. Ah, ok, d'accord, premier. Là, deuxième. Ok, d'accord. Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des... Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire. Donc là, j'appuie en haut. Distraire l'ennemi. Prêt. Donc là, hop. Alors, on va voir. On appuie sur L1, ok. On va sur ping, ok. Et alors, on appuie sur quoi pour le distraire? R1. Données, piratage. Ah, carré pour exécuter, ok. Corpo ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise le disque. Ah, ok. C'était pas loin. Allez, on reprend depuis le début. Ok, d'accord. Donc il faut que j'arrive par derrière. Fais déconner l'écran. Ok. Donc, piratage. Piratant pour distraire le garde. Corpo ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. À carré. Voilà. Ah, il faut juste appuyer une fois. Tuer ou neutraliser l'ennemi. Carré. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Prends le corps. Après, il faut assimiler beaucoup de touches. Ah ouais, ok, on peut planquer les gars dans des poubelles ou un truc comme ça. Je l'ai jeté comme ça. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Voilà, tué. Ah, c'est bon. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel? Éclate-toi! Donc là, je dois scanner. Ok, carré. Ah, donc ouais, on peut vérifier où sont les gens. On peut les ping, pardon. Donc ça, on est bon. Hop. Vous pouvez pirater rapidement l'appareil des ennemis si vous contrôlez déjà la caméra tourelle. Maintenez L1 et visez en garde. Ok. Protocole. Exécuter. Sélectionner nécessaire pour changer. Alors, protocole de piratage débute dans toujours en première ligne par 55. Ok. Après. Donc, j'essaie de comprendre. Hein. Sélectionner le code. Ok. Après. Ah, je dois le sélectionner directement. Donc, sélectionner le code croix. Là, hop, 55. Encore 55. BD. Okay. Vas-y, fais péter la grenade. Alors, comment on fait? Utiliser piratage, faire exploser la grenade sur l'équipement du gars. Ah, ok, d'accord. Boum. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre. À mon avis, c'est en jouant qu'on va commencer à comprendre. À appuyer sur quoi? Tu vois, suffisait que tu débranches ton cerveau et que tu obéisses aux ordres, façon Militech.
Ok, niveau piratage, va falloir que je... J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Ok, furtivité ou quoi que ce soit. Terminer le module en entraînement. Bon, on y va ou quoi? D'accord, bon, bah, ils disent qu'il faut le faire. Donc, il faut être furtif. Autant les faire directement, comprendre le jeu. On va travailler la furtivité. Donc. Alors, appuyer sur R3 pour cibler. Ok, d'accord, donc là. Pour marquer des cibles avec votre cible visée là et appuyer sur R3. Donc R3, c'est bien celui-là. Je dis pas de bêtises, ouais. R3. Un patote. On manque pas un. La caméra a tourné un peu trop vite. Voilà, c'est bon. Attaque rapide. R2. Ok, donc là, et alors je dois faire quoi? Par contre, c'est vachement noir. À moins qu'il y ait autre part, hein. Non, rien du tout. Marquer tous les gardes, hein, mais j'en avais vu un là-bas, mais il s'est barré. À moins qu'il y en ait là-bas. Là, je vais marquer. Lui, je l'ai marqué. Donc, lui est marqué. Lui est marqué. Lui est marqué. Peut-être là, non? Ok, il me manque un garde. Et je sais pas où il est. Ah, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je peux faire hein? Entrer dans la zone d'entraînement. Ouais, il y a l'autre. Donc, je dois les tuer. Hein. C'est bien ça. Par contre, il fait super noir. Quand vos ennemis sont dans le champ de vision, les ennemis sont un indicateur. Ok, d'accord. Couvert, vite. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie. Sans te faire repérer. Ok. C'est bon, ça passe. On passe à la zone suivante. Oui. Alors, faites attention au système de sécurité tel que les tourelles, caméras, surveillance peuvent déclencher des alarmes indiquant les positions des ennemis. Ok, d'accord. Maintenant, la même chose avec la caméra. Ok. Donc là, il faut que j'arrive à sortir. Par contre, c'est vachement noir hein, le jeu. J'arrive pas à voir grand chose. Moi. Bon, on y va ou quoi? Ouais, ça a été facile. Cool, t'as bien bossé. Mets-toi sur la plateforme pour quitter la simulation. C'était pas si compliqué que ça, mais par contre c'est trop noir en fait, ils auraient dû quand même mettre quelque chose. On remballe. Donc combat avancé, c'est le dernier et après on pourra sortir. Après à mon avis on arrêtera la vidéo et on remettra une vidéo en route. Combat rapproché. Ok. Neutralise-le, mais fais gaffe, il a l'air costaud. Essayez d'aller doucement. Ouf. Alors, les ennemis d'élite indiqués à l'école sont les ennemis de niveau très supérieur de votre... Se libérer facilement les ennemis... Ok, d'accord. Ok, ça ira. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe dans ta catégorie. Ok.
Ok. Appuyer sur R2 pendant une attaque rapide. Ok. Ok, si je reste appuyé, ça fait une attaque puissante. Ok, d'accord. Allez. Et en position de frappe, frapper où ? Ah, donc là, il est mis en position de... Ok. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buse peut bloquer tes coups. Donc... Ah ok, d'accord. J'ai compris. En vérité, quand il est protégé, il faut faire une attaque puissante. Mettez L2 pour mettre en position. Ok, d'accord. On inverse les rôles. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Quand on vous frappe alors que vous partez en attaque, consommez partie de l'assurance, l'endurance tombe à zéro, vous pouvez plus ou... Ah ok. Ok. Ok, voilà. Comment je vais faire pour l'activer? Donc on... Appuie sur L2 juste avant un impact pour parer l'attaque. Ok, d'accord. Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Plus besoin pour lui balancer une contre-attaque. Appuyez sur L2 juste avant une impact pour... Ok, bon, alors, appuyez deux fois sur Esquive. Ah voilà. Ok. C'est pas pratique l'esquive là. Voilà. En vérité ouais c'est une esquive. Ok. Pour esquiver sur la direction L1 pour nous. Ok. Après je peux... Ça lui va bien. V, je vois cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups t'atteindre. C'est facile avec les ronds, esquive. Utilise toutes les techniques apprises jusqu'ici pour vaincre l'adversaire. Tu maîtrises maintenant le kung-fu de la buse, jeune apprenti. Allez, mon gars. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Bon, on arrive à... Ok, deux patates, c'est fini. Passons aux armes de corps à corps. Prends une épée. Ok, on... Ah, un sabre. Ouh. Technique de corps à corps que vous allez apprendre. Ok, d'accord, on y va. Ah ok. Bien. Maintenant montre-moi ce que t'as appris.
Différents arbres de sujets que vous pouvez rencontrer, hein, divers ennemis déjà affrontés. Donc... Oh là. Bon, là, je vous dégagne. Au top. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Monte sur la plateforme. Ok, chou là. Ah, il fait tout noir, donc alors on sait même pas où on est. Ok, donc là, on a sûrement dû finir le dit tacticiel. On a fini, madame. On y va. On s'en va. Bonne chance, V. Merci, madame. Ouvrez la porte. Donc là, on revient dans le jeu. Au boulot. C'est parti. L'ascenseur, par ici. Donc là, on va devoir se battre. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a une arme? Parler, attaquer, esquive. Ok, c'est une arme avec triangle. On doit récupérer quelqu'un, c'est ça? C'est parti. C'est moi qui dois appuyer ou quoi? Ah, ça c'est tout seul, ok. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Ok. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié là. Allez. C'est quoi ça? J'ai pris quand même. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomonie. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Faire signe de rentrer, ok. Alors, je dois pirater la porte, c'est ça? Ok. Donc, lancer un piratage. Prêt. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repos et à tête de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. V, tiens-toi prêt. Mène des roses droitement. Quitte-le en silence, V. C'est quoi de ça? Par contre, la musique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, là. On en a combien? 4. Dont 2 avec du matos de merde. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. La clinique en est sûre pour récupérer ses boosters. Et il y a aussi la salope de Corpo. Faut qu'on trouve un acheteur. Mon pote, lui, non? Couille en or avec le croc de fils de pute qu'elle a. Oui, ils arrivent. On fait. Attends, il va se faire ses enfoirés. Alors, se cacher. Éliminer les deux. Bon, faut les tuer.
laboratoire de Desos. Faites le ménage, éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi et évitez surtout de vous prendre une balle dans le dos. Ouais, j'ai y pensé. Je prends plus qu'à sur les corps. Oh, le corps, on en fout. Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'essaie de fouiller un peu tout partout, il y a des munitions. J'ai vu. C'est quoi de ça? Voilà. J'ai une balle dans la tête vite fait. Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. C'est quoi de ça? Il y a rien dedans. Faut fouiller. Il y a rien. Là. Putain de bordel de merde. Inspection du corps. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. En connexion. Je me connecte. Ok, donc on essaie de récupérer. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Rodel, T-Bug, t'as pas vu cette boucherie? Il y a des baignoires, de la glace, des crochets, des hachoirs partout. Ok, du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée, regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y'a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh merde! Elle fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, Eripo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Ah, il injecte. Je crois. Putain, ça a marché! Ok. Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Faut l'emmener dehors. Allez, bouge, bouge, bouge. Voilà, sors-la d'ici, la terrasse. Atterrissage, dégagez. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, je dois la poser là-bas, c'est ça? Non? Déposez la patiente au sol. C'est fait. 5 pas en arrière. Allez. TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline. Ok, donc ça c'était prévu dans le... Truc. Ok, donc on l'a sauvé. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot. On a réglé ce merdier. Attends, je comprends pas. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Pourquoi lui en surbrillance? Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Ok, on est reparti là, on va reprendre l'ascenseur qui est là-bas. Okay.
sauve la vie, mais... Merci. Ok. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Accéder au téléphone. Piège du bas, ok. Wakako. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Ça va sentir. Ok, carré. Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui t'est convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Ok, vas-y. Allez, ramène-moi chez moi. Écoute, il roule comme un pépé, hein. Oh là, le bug. Décidément, je kiffe Night City. Une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackland, Drew Whelan, Adam Smasher, c'est ici que naissent les légendes. Quand le gars tourne, il y a un bug. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, j'ai entendu quelqu'un crier. Jackie, les Watson, tu te souviens? Ah, c'est vrai. Je suis parano. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Pardon. T'es des hommes! Bande d'enculés! Putain, Jackie, roule! Allez, vite! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Merde, pardon! Je vous ai eu, les connards! V, vise le conducteur! Chingalo! Ok, c'est bon. Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Allez. Donc là, j'ai mis sur pause. On va continuer parce que là, je commence à être à 1h03. Donc, je vais mettre sur pause et on va faire une prochaine vidéo d'à peu près 1h pour pouvoir continuer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, partager, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voyez que dans le jeu, il y a des coupures de son, c'est YouTube qui bloque les droits d'auteur. Et donc, je ne peux rien faire. Franchement, je ne vous mens pas. Dès qu'il va y avoir des musiques ou des choses comme ça, je pense que je vais le dire directement au début de la vidéo. Comme ça, les personnes me diront pas, il n'y a pas de son et tout. C'est YouTube qui coupe tout, en fait. Et dès qu'il y a un droit d'auteur, il va couper la vidéo et il va me couper le son. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.